Que fais-tu ici? Je n'ai pas le temps de parler avec toi. Alors disparais. Et alors? On a toujours une raison d'aller quelque part. Je vois que tu n'as pas l'intention de me laisser tranquille. Bon, très bien. Des types louches vont bientôt arriver. Il paraît qu'ils veulent transmettre des informations au gouvernement. Je veux me débarrasser d'eux. Et maintenant que tu sais pourquoi je suis là, autant accepter ton aide. Ces crapules vont sans doute agir cette nuit. Ils arriveront par bateau avant de se diriger vers Edo. En tout cas, c'est là que je vais les attendre. Et toi, que vas-tu faire? Très bien. Impliqué, autant t'expliquer les choses en détail. J'ai un partenaire, tu vois. Nous avons grandi ensemble. Et ensuite, nous avons servi le clan Satsuma. Ce partenaire est en fuite. Les ordures sont prêtes à trahir sa cachette. Alors, je dois faire quelque chose. Yeah!
m'impressionne. Où est-ce que tu joues? Ta discrétion m'impressionne. Thank you.
Devons nous en débarrasser.
Tu tuerais tes propres frères pour l'amour de Saigo, hein, Okubo? Il fait ça pour une cause bien supérieure. Maintenant que nous avons tué leur chef, il y a peu de chances pour que le gouvernement découvre où se trouve Saigo. Parce que je le suis à leurs yeux. Tu vois, le clan Satsuma n'est plus aussi uni qu'autrefois. Depuis la mort du seigneur Shimazu, le clan Satsuma a beaucoup souffert. Il ne reste presque rien de son unité d'autrefois. Pour compliquer les choses, mon partenaire Takamori Saigo ne s'entend pas avec notre nouveau maître. Certains aimeraient même que Saigo soit tué, comme tu l'as vu ce soir. Mais Saigo est parfaitement capable de se défendre. Même s'il doit pour cela s'en prendre à ses propres frères. Le clan Satsuma ne pourra pas retrouver sa gloire ancienne. Enfin, sauf si Saigo accepte de se dévouer à cette tâche. Qui plus est, Saigo et moi, nous nous complétons admirablement. Il y a des choses que nous ne pouvons accomplir qu'ensemble. Merci pour ton aide. Je prie d'avoir bientôt l'occasion de blanchir le nom de Saigo. Et quand ce jour viendra, je te le présenterai. En fait, maintenant que j'y pense, vous devriez bien vous entendre.
secours.
Tu es là. Mettons-nous au travail. Tu vois ça? Ces gentlemen britanniques veulent un grand château. Ils ne reculent vraiment devant rien. Surtout leur chef, Alcock. Tu iras avec l'équipe chargée de faire diversion. Semer un peu le chaos là en bas et attirer l'attention des gardes. Pendant que vous les occupez, Ito et Yamagata allumeront un feu. Soyez sans pitié. Puis rendez-vous à l'allégation, vous aussi. Si tout va bien, une fois regroupés, nous partirons à la recherche d'Alcock. C'est bon, tu as retenu le plan ? Tu comprends vite. C'est un bon présage. Très bien. Mettons-nous en position. Soyez prêts à frapper. Battons-nous côte à côte, et nous ne craindrons rien. Bien dit. Allons nous déchaîner un peu. On y va ! Ici ! Nous ne faisons que suivre les ordres ! Reste concentré ! Ugh!
parti. Travail.
Par ici! C'est fait! Mais Alcock est toujours introuvable. Et j'ai entendu dire qu'il avait un sacré garde du corps. Prenez votre temps. Rien ne presse. D'accord. Alors, ce sera tout? D'accord. Bien. Merci pour votre visite. N'avez-vous aucune pitié pour les blessés? On se retrouve. Pas mal. Ah, te voilà. Faudra bien plus pour m'achever.
gagné. Je ne retiens pas. Brûle en enfer, sale sauvage. Ravi que tu aies un penchant, pyromane. Mais qu'est-ce que tu manigances exactement? Je n'aurais pas à provoquer les Britanniques moi-même. Attends! Oui, tu vas trop loin. Mais ça ne fait que commencer. Réveille-toi, peuple du Japon. La fumée s'élève. Tout comme nous. Tout comme nous. Regarde, ça n'a rien à envier aux démons rouges. Voyez, maître.